Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec... Moi. Ça faisait longtemps. Et pourquoi on est là, d'après toi, Miss Nut? C'est pour un colis... Condisan. Bravo, t'as retenu l'accent. Bon, il faut le faire apparaître. Ah oh bah... Allez, vous êtes prêts? On y va! Prête que prête. C'est fait par avion. Alors, je vous mets un petit lien, comme d'habitude, de parrainage, si vous voulez une réduction pour votre commande. Et regarde, on a plein de choses. Et pour une fois, il n'y a pas que du Dragon Ball. Donc, ça va ravir plein de gens. Tu veux piocher au hasard? Alors, bah toi, tu as la pioche de Dragon Ball. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le présentoir en arrière-plan. Alors, ça, c'est du Dragon Ball Super, moi, je pense. Et je crois qu'on a un personnage qu'on aime pas tous les deux. Et alors, regarde le nouveau type de figurine. C'est un nouveau type de figurine sur Candy-san. Je vais vous montrer la liste et tu vas dire... Oh, ça fait penser à l'enfance un peu, les caricatures. Voilà. C'est beau. Oh, c'est magnifique. J'en ai commandé beaucoup. Et j'espère avoir je des doutes pour tout toi. Sauf Krill. D'accord. Ah oh, si, j'en ai pas de cru. Et lui, c'est qui? Jiren. Jiren. Alors, moi, je trouve que c'est un mélange des caricatures qu'on avait pour la tête. Et le corps, ça fait un peu Lego. Ou je sais plus quelle collection. En tout cas, il est magnifique. À exposer, c'est trop cute. Oui, ça fait un peu les bras Lego, ça. Ouais. Oh, c'est articulé. Regarde. C'est beau. Jiren. Très joli ce petit Jiren. On le met là, notre étiquette là. En attendant, si vous voulez voir, ça coûte, je vais vous dire le prix, c'est entre 2 et 3 euros, il me semble. Ça va. Ah bah tiens, pioche. Okay. Ah, ça tu le voulais, hein. On va commencer par ouvrir ça. Alors, regardez, ça ressemble à une tirelire en tout cas. Et je pense que c'est des petites confiseries. Ça s'appelle Pale and Chicken, je sais pas si je prononce bien. On a... un petit bonbon caca. On va retirer ça pour exposer tous les petits bonbons caca. Alors si tu en veux, Miss Nuts, tu peux te servir. Mais je crois que t'aimes pas trop les bonbons. Après j'en goûterai un. Ah, celui-là il est orange. Il a une drôle de couleur. Je vais peut-être en tester. Oh, alors on a deux de chaque, moi je pense à peu près. Ah non, trois comme ça. Je sais pas lequel goûter. Bah celui qui a en trois, j'ai goûté. Allez, je fais le cobaye. Alors c'est un bonbon ou un chocolat? C'est, oh, chocolat. C'est trop mignon. Ah, il est beau lui. Bah au chocolat, ça doit être sympa. Mais les bruits, c'est drôle. Trop bon. C'est vrai? Trop bon. Merci, t'es trop gentil. Miss Nut, va manger un. Ah ouais. En attendant, moi je vais piocher une gachapon. Alors c'est un petit chien. Oh. Ce chocolat, je l'ai déjà mangé quelque part. Peut-être Milka, un peu un ancien Milka. Mais encore. Il y a même mieux que Milka, moins sucré, mais très bon. Donc, on vous conseille les chocolats caca. On n'a pas goûté les autres, mais celui-là, le orange, là, le chocolat mais normal. C'est pas de chocolat blond, le chocolat à la fraise. Ah bon, bien, j'en gardais un pour Mickey, il aime bien la fraise. Mais j'en reprendrai, je pense. Ils sont vraiment bons. Avec un petit café, ou un petit chocolat chaud. Ah ouais. Ce sont les petits Shiba Inu, il me semble. Ah, c'est des chiens. Les chiens japonais en Tsum Tsum. Et je vous montre le Tsum Tsum. Enfin, Tsum Tsum, c'est une marque disposée par Disney, mais... Moi, je trouve qu'il ressemble à une petite souris. Pourtant, c'est un petit chien, regarde. Une queue de chien. Voilà, il est très mignon. C'est à la même taille que les Tsum Tsum Small. Oui, tout petit, là. Il est très joli, très mignon. On fait chacun le tour. Okay. Alors toi, tu fais les Dragon Ball à chaque fois, hein. C'est impressionnant. C'est un chien, non? C'est bizarre ça, par contre. Qu'est-ce que c'est? C'est un bœuf. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait cette commande. C'est les signes chinois. C'est mon signe. C'est le coq. C'est le coq. C'est mon signe astrologique. C'est trop beau ça, par contre. Enfin, pas astrologique, signe chinois. Je sais pas si on dit astrologique. Et il y a tous les signes. Il y a le bœuf. Le lapin, le serpent et tout ça. C'est beau.
Ah bah c'est tombé, et j'ai de la chance, c'est tombé sur mon signe quand même. Oui, bah c'est que t'as un signe. Ah bah c'est encore un signe chinois, toi. Je me demande si c'est le coq, je donnerai à Yaline. C'est le coq. Ah, je crois que c'est le serpent. Tu connais quelqu'un du serpent? Faudrait regarder les années. Oui, c'est serpent. Ah non! Hérisson. Non, c'est mouton. Oh, qui est du signe du mouton? C'est beau! Ah, il est trop beau le mouton aussi. Il y a un petit papier en plus dessus, non? C'est... Ouais, c'est écrit Maïdi, nous Vietnam. D'accord. Oh, c'est bon, ça. T'aurais dû mettre le signe écrit en chinois. C'est bien travaillé. Hein. Ouais, ils sont super beaux, super travaillés. Ça fait un peu à l'ancienne, justement. C'est pour ça que j'ai dit, ah, je vais prendre ça pour changer. Oh, j'espère que c'est pas. Oh, j'ai vu, c'était qui? C'est Frizzard. C'est Frizzard. C'est mignon quand même. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est très joli. J'adore cette collection. Je suis déjà hyper fan. Ah ouais, tu peux. C'est trop beau. À mon tour. Crâne chaud. J'ai pris au hasard. Tu connais le signe de Mickey? Faudrait que t'en regardes. Je crois que c'est la vache. Toi, t'es quoi? Je suis vache. Je te l'offre, si oh tu non. le veux. Bah oui, je le garde, ça je garderai en plus. C'est tellement bien dessiné. Bon bah, Miss Nut, c'est du signe du bœuf, c'est ça? Oui. Donc, je te l'offre. Tu l'auras à la fin de la vidéo. On va savoir que je suis né en 97. Oui. C'est Son Goku, oui. Ah oui, non, Krillin, c'est que tu veux absolument pas. Eh, t'as les trois crânes chauds. Ah oui, ils ont pas de cheveux, ceux que j'ai eu, trop fort. Ah, j'adore cette ouverture, elle est variée. Ouais. Je pense que je ferais plus ça parce que c'est plus sympathique quand t'as plusieurs choses, en fait, différentes. Genre, bah, des petits animaux, tout ça. Des crottes. Et en plus, c'est écrit leur nom japonais s'ils voulaient apprendre. Bah, t'aimes pas Krillin, mais moi je le trouve sympa. Moi je le trouve trop mignon. Ah, encore une Dragon Ball. Oh, je crois que c'est un double pour toi, Miss Nut, oh si là tu là le veux. Un grand. Mais t'aurais aimé un vieux t-shirt Dragon Ball. Bah, ça dépend du visu, mais ouais. C'est fort ancien. Bah, moi j'aime bien. J'aime tous les Dragon Ball, en toute façon. À part GT. Bon, là on voit un peu plus que c'est un Shiba Inu. Moi je trouve ça ressemble à des hamsters. Bah, c'est beau. Pourtant, c'est des chiens, je pense. Si, c'est chien, t'as raison. Oui, lui, il fait plus chien que toi. Je pense, hein. Mais corrigez-moi. Mais non, c'est chien. Ça coûte 2-3 euros aussi. Hein. C'est moins cher que les vrais Tsum Tsum. Mettre là. Ça n'existe plus. Un Tsum Tsum, c'est un peu en voie d'extinction. Qui est-ce? Moi, si c'est Beerus ou C18, je hurle. Mais j'espère que tu vas voler ça. Ouais. On va ah, mais oui, Sama! Oh non! Ah, oh, je suis trop fan, je suis trop heureux! Beerus, c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball Super. C18, c'était dans Dragon Ball Z. Je l'ai fait en cosplay, j'ai fait le costume de mes petites mains. De C18? Non, de Beerus. Et je serai sûrement à la Japan Expo dans mon cosplay avec le masque que j'avais fait de mes petites mains. Voilà. Et vous pouvez aller sur ma chaîne voir le DIY si vous voulez faire un masque tu comme Beerus. Tu te le lien sur ta vidéo. Ouais, je vous ferai un petit lien. Et il est trop, trop beau. Et là, je me rends compte qu'il a un tout petit museau. Donc si je le corrige, je vais peut-être le diminuer un petit peu encore. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas Pikachu. Pokémon. C'est Pokémon, en plus, je me rappelais pas que j'avais pris Pokémon. Ah, c'est quoi? Oh non. Alors, c'est une Pokéball, mais c'est bizarre, par contre. C'est une Pokéball. C'est pas un bracelet? C'est un porte-monnaie. Pour mes pièces. J'ai pris exprès parce que j'avais un porte-monnaie de Tsum Tsum Mickey qui est un peu usé pour mes pièces et je voulais le remplacer. Mais franchement, c'est pour les fans, c'est sympa. Donc, vous pouvez mettre des petites pièces non, comme j'adhère. Ça. Oh non. Vegeta. Bon, bah moi, c'est pas un double. Oh, il est beau, là, le doré. Il est beau, celui-là. Trop beau. Magnifique. Magnifique. Ah, les cheveux, ils sont super beaux. C'est quoi, c'est un chien. Alors là, ce sont des petits chiens. Non, pas forcément. Il y a des lapins, Et en fait, c'est pour mettre sur vos câbles iPhone ou téléphone. Ah, j'ai pas un câble, mais bon, ça se met, vous le mettez comme ça, vous savez, sur votre câble, et ça tient le câble. Il est beau. Regardez comme ça, c'est trop mignon.
mettre là, ça va avec le thème. Oh, il est trop beau, c'est un cochon, je pense, vu le nez. C'est un petit... Ah, je l'ai pas montré de près, le petit cochon, sur le visage. Trop beau. Trop mignon. Du... Bon, bah, j'ai un triple. Ça, par contre, je vais le faire gagner un abonné. Je suis désolé, Miss Nuts. Moi, je reviens. Non, alors, j'ai une idée. Toi, tu veux quoi, Miss Nuts? T'as ton bœuf et t'as... tu prends celui-là, ok? Ouais. Je vais mettre en l'eau. De l'eau, pour l'instant. Je vais mettre de l'eau. Voilà. Alors, je vous dis le règlement fin de vidéo. Restez bien. Pour l'instant, à gagner, je mets ça et ça. Ici, à gagner, Miss Nuts prend ça avec toi, déjà. Ah, chance. Ah, alors, pour le câble... Ah bah je vais pouvoir l'offrir à Mickey ça par contre. Ça je l'offre à Mickey, j'avais dit j'ai acheté un petit cadeau pour Mickey parce que Mickey m'a voulu des cadeaux. Voilà, donc Mickey, tu regardes peut-être pas la vidéo, mais je t'offre ce petit cochon. Voilà, bon bah en double j'ai pas de chance pour une fois. Hein. J'en ai pris combien? Je me rappelais pas notre... Bon j'espère qu'il est différent. Ah, c'est quoi le petit... Oh le petit... Ours, chien, on sait pas trop, c'est mignon, hein. Mais j'arrive pas à savoir c'est quoi celui-là. Tu dirais quoi? Moi j'aurais dit petit ours ou... Non, les oreilles elles sont petites. Bah je sais pas, mais bon. Ah, j'ai pris un autre porte-monnaie? Je m'en rappelais pas du tout. Mais... Alors, toi t'as pas besoin de porte-monnaie. Deux Pokéballs différents. On arrive presque à la fin, attention. Ah, tu vas être content. Oui, c'est C18, j'avais vu tout à l'heure. Bah quand même. J'avais vu du rose. J'ai dit, ah, il n'y a que C18 qui porte moi, son jeu. J'ai mes deux préférés. Ouais, j'ai mes deux préférés, c'est le principal. Dommage qu'il n'y a pas Wiz. Enfin, c'est pas fini. C'est mal parti, hein. Trop mimi. Vous imaginez, c'est la C18 du tournoi Dragon Ball Super. Ah, elle est trop belle. Ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est encore autre chose, là. La vidéo, elle fait 20 minutes. Enfin, là, il n'y a pas de montage. Avec le montage, je vais faire réduire. Un signe chinois encore. Trop fort. Je ne me rappelais même pas que j'en avais commandé autant. Mais ils sont tellement travaillés. C'est quoi, ça? C'est le sanglier, ça, non? Je savais même pas qu'il y avait le sanglier. Enfin, je crois que c'est ça. Ça ressemble à un petit sanglier. Il est mignon. Il me reste 4 gâchapodes. On en a ouvert une tonne aujourd'hui. Je pense plus que la dernière fois. Ah oui, parce que c'est bien rempli là, l'étagère. Ah oh, bah je l'avais bien, moi. Oui, vous avez le droit. Donc Miss Nuts sera C18 et ça, plus le signe chinois. Trois. Putain, je suis gâté. Purée, je suis gâté. Allez, encore une. Elle est ouverte là. Beerus! Voilà, un autre Beerus, mais j'ai eu beaucoup de doubles. Il m'en manque. Il n'y a pas de Whis qui vont arriver. Regarde le catalogue, ce qui manque. J'ai l'impression qu'il en manque pas beaucoup. Peut-être que Whis. Pourquoi j'ai encore. Mais je m'en rappelais pas d'en avoir commandé autant et c'est un cochon. Encore en double. Je crois que je vais le donner à qui. Bah attendez. Mais c'est en triple? C'est pas vrai, je l'ai en triple. Avant, quand on dit ça, vous me faisiez pas des doubles ni des triples. Non, moi, là, j'ai pas eu de chance. On va faire un petit concours en fin de vidéo, restez bien. Et dernier, bah, c'est Whis. Bah, prends pour ce temps. Hein. Bah, non, c'est ton personnage. Non parce que... Oh, je te l'ai si ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Trop beau. Je veux le montrer. Oh, c'est un des plus beaux. Il est trop beau. Puis... Bah, je crois que c'est le plus beau avec ses 18, le visage. Ah, tu me les vends, les 4, là. Je le mets là, en attendant, parce que je dois les mettre. J'ai toute la série, je pense. Je vais regarder la liste. On va vérifier. Ah non, il manque Goku. Punaise. J'ai fait exprès d'en commander plein et j'ai eu plein de doubles. Il manque un seul, c'est le Goku Blue. C'est pas le personnage principal, Goku. Je préfère Vegeta, donc ça va encore. C'est vrai? Ah oui, je préfère largement Vegeta. Alors, bon, on va faire le petit concours. Je vais vous dire le règlement qui a changé. Mis à part qu'il faut être abonné à cette chaîne et mettre un petit like, je vais vous dire ce qu'il faut faire.
Je vous mets un petit lien en barre de description de Utip. Il suffit de visionner une petite vidéo de 20 secondes. Ensuite, vous pouvez mettre un petit commentaire sur ce site. Et sur ce site, vous marquez « Je participe pour... » Attention, hein. Et vous marquez le nom de votre pseudo, bien entendu. Alors, vous avez le choix entre trois lots. Jiren, Krilin ou le petit cochon. Alors, vous marquez, par exemple, si vous voulez participer pour le petit cochon, « Je participe... » Il n'y a plus de cochon. Vous mettez « Je participe pour le petit cochon », signez votre pseudo. Comme ça, quand je ferai les résultats sur YouTube ou sur Facebook, je vais annoncer partout, je pourrai vous dire votre pseudo. Ne mettez pas en commentaire « Je participe sur cette chaîne », sur la page YouTube, mais sur la page YouTube après avoir visionné la petite vidéo. Et déjà, il y a presque 50 personnes qui ont participé à Utip. Et au fur et à mesure, je vous mettrai dans le petit tableau des notices. Voilà. Tous les notices qui auront participé à Utip resteront dans le petit tableau. Vous savez, un trophée. Je sais pas si on peut dire ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il y a 3 lots à gagner. Je sais pas si vous avez compris, mes chers abonnés. Mais mettez un commentaire si vous avez pas compris. Je vous mets le lien et tout ça. Alors, qu'est-ce que t'as préféré, Miss Nuts? Ma vis. Ok. Après Beerus, ça ferait C18. Et après. La vache. Ouais. Trop magnifique. Je les aime trop. Voilà, je vous montre les petites figurines de plus près. Donc, il y avait ça. Puis le petit porte-monnaie aussi. On les a oubliés. Bon, moi, je vous dis, c'est mon petit Beerus, hein, mon préféré. De tout. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour voir les photos en détail. Et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Et pour le concours, donc n'hésitez pas à aller sur Utip pour me marquer « Je participe pour oui. » l'un des trois personnages ici. Voilà, merci d'avoir regardé. À bientôt, Miss Nuts. À bientôt, Eric. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle ouverture de Colicandisan. Oh, yeah. À bientôt.